Et maintenant, avec Antargaz, parlons énergie des territoires, gaz liquide et biopropane. Bonjour Éric Brocardi. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui a invité Antargaz lors de son dernier congrès pour parler de la restitution de bouteilles de gaz lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Que faut-il savoir sur ces bouteilles non utilisées ? Il faut savoir que les bouteilles de gaz qui sont abandonnées contiennent encore un peu de gaz. Donc c'est extrêmement difficile pour les sapeurs-pompiers de pouvoir évoluer en toute quiétude dès lors qu'il y a une intervention. Donc il est impératif de rapporter les bouteilles de gaz non utilisées directement sur des points de distributeur pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers et aussi permettre de protéger l'environnement. Et pourquoi vous êtes-vous associé à Antargaz sur ce sujet ? Antargaz est un fournisseur d'énergie important, donc s'associer à Antargaz est aujourd'hui un moyen de diffuser l'information auprès du grand public pour stopper l'abandon de bouteilles de gaz. Merci Éric Brocardi. Et puis je rappelle que l'on peut donc rapporter les bouteilles de gaz non utilisées chez l'un des 15 000 revendeurs Antargaz partout en France. Merci et rendez-vous mardi prochain pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.